Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Et nous reviendrons sur la polémique du week-end, celle provoquée par le blocage des Eurostars dans le tunnel sous la Manche. La suspension du trafic est toujours maintenue. Nous tenterons d'en savoir plus ce soir à Londres et à Paris. Le coup de froid va-t-il se prolonger sur la France cette semaine? Même question pour la neige qui a à nouveau fait son apparition aujourd'hui sur le nord et l'ouest du pays. À suivre, le Tour de France de ces intempéries, il a fait par exemple moins 20 degrés parfois dans l'est la nuit dernière. La controverse relancée autour du pape Pie XII après la décision de Benoît XVI hier de l'élever au rang de vénérable. Il s'agit en fait de la dernière étape avant la béatification. Pie XII est toujours soupçonné d'avoir eu une attitude passive face à l'Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale. Notre grand format ce soir, il y a 20 ans, le régime de Nicolae Ceausescu vacillait. La chute de la dictature communiste roumaine allait être vécue en direct à la télévision et cela jusqu'à son exécution le jour de Noël. Nous étions alors le 25 décembre 1989. Un dimanche de sport et les handballeuses françaises ne seront pas championnes du monde. Défaite ce matin face à la Russie. À suivre les derniers résultats de Ligue 1. Bordeaux est champion d'automne et Lille s'est imposé à nouveau ce soir. Et puis le ski français se porte plutôt bien à quelques mois des JO de Vancouver. Enfin, l'interview d'un grand monsieur du cinéma ce soir, invité exceptionnel Francis Ford Coppola, qui reviendra sur ses grands succès, mais aussi sur son dernier film, esthétique, intimiste et personnel. Il s'appelle Tétro. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par cette affaire qui arrive au mauvais moment, en plein week-end qui précède les fêtes de Noël. Le trafic de l'Eurostar a été paralysé. 24 000 passagers n'ont pu prendre leur train entre la France et l'Angleterre depuis 48 heures. Mais surtout, ce qui retient l'attention, c'est bien sûr ce qu'ont vécu près de 2 000 passagers qui sont restés bloqués 18 heures dans leur train, dont une partie dans le tunnel sous la Manche. Désormais, ils aimeraient comprendre pourquoi. Jacques Cardoz et Stéphane Guimau. Il ne leur reste que ça, camper et attendre. Cet après-midi à Saint-Pancras, certains avaient encore l'espoir de pouvoir partir. Peine perdue, aucun train n'a circulé dans les deux sens aujourd'hui. Les dernières retrouvailles remontent à hier soir, minuit. 6 heures de voyage pour cela. Et pour la 6e fois ce week-end, Eurostar a dû faire appel à une locomotive d'Eurotunnel pour tracter son train jusqu'à la destination finale. Il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture, pas de couverture. Mon enfant gelait et même pas de lait pour elle. Ces passagers partis vendredi et qui auront fait plus de 17 heures de voyage ont l'intention de porter plainte. En cause, une prise en charge défaillante selon eux. Dans le tunnel d'abord, on les voit là, seuls ou presque, avec leurs valises, contraints de monter des marches. Même si les pompiers, présents parfois, ont aidé une partie des 2000 voyageurs bloqués. Une fois sortis du tunnel, à nouveau arrêtés en rase campagne, certains n'ont pas compris pourquoi l'un des chefs de train ne les a pas laissés partir par leurs propres moyens. On veut des taxis, on veut arrêter le train en otage, on s'en fout de nos problèmes, on veut des taxis, on veut... Do you speak French? Yes. Est-ce que c'est vrai que si on ne démarre pas, c'est pas à cause des trucs électriques? C'est parce qu'il n'y a plus d'électricité? Pourquoi on ne démarre pas alors? Pas de réponse, ni pour ça, ni pour le reste. À 7h du matin, ils nous ont transféré de train quand il faisait moins 5 degrés. Et il est comme ça, en béquille, il n'y a même pas d'aide. Et là, on sort, il n'y a même pas d'aide, il n'y a rien du tout. On a privilégié, bien entendu, ceux de première classe pour les laisser partir en bus parce qu'il y avait une arrivée sûre dans 3 heures. Un cauchemar pour tous. Certains n'ont pu retenir leurs larmes. Alors, avant d'aller à la gare du Nord à Paris, direction tout d'abord Londres. Bonsoir Jacques Cardoz. Alors ce soir en Angleterre, c'est du côté de la presse et des parlementaires que les réactions sont les plus vives, je crois. Oui, en effet, Laurent, la presse britannique est absolument sans ménagement à l'endroit de la direction générale d'Eurostar, puisqu'elle estime que cette direction doit être renvoyée purement et simplement après ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Un parlementaire conservateur britannique européen estime lui pouvoir s'appuyer sur une directive européenne pour cela. Il estime, en s'appuyant sur cette directive, qui dit que les animaux ne peuvent pas circuler et voyager plus de 8 heures sans boire. Or ici, il s'agit de passagers qui, pour certains, n'ont pas pu boire durant leur voyage et leur épopée dans la nuit de vendredi à samedi. La presse qui révèle également que Claudia Schiffer, l'ancien mannequin, aurait, elle, bénéficié d'un traitement de faveur puisqu'une voiture l'aurait attendue côté anglais une fois le passage du tunnel. Une chose est sûre, la direction d'Eurostar estime en tout cas qu'elle va tout faire pour acheminer 500 passagers
d'urgence ce soir ou demain matin. Pour cela, elle va utiliser des trains nationaux et ensuite, eh bien, ses passagers pourront prendre le ferry pour regagner la France dès demain. Merci Jacques Cardoz. On retrouve maintenant Cyril Zac qui est à la Gare du Nord, à Paris. Bonsoir Cyril. Il y a donc beaucoup de questions autour de cette situation de crise, mais pour le moment, il faut reconnaître qu'il manque aussi beaucoup de réponses. Oui, effectivement, Laurent. Et ce soir, eh bien, le trafic des Eurostars est toujours au point mort. Pas question de laisser circuler entre Paris et Londres la moindre rame. C'est évident, c'est compliqué aujourd'hui pour Eurostar. Il s'agit désormais de donner des éléments de réponse. Alors pour ce faire, Eurostar et la SNCF, tout au long de la journée, ont fait circuler des rames test. À leur bord, pas de voyageurs, des ingénieurs, du matériel informatique. Et avec une volonté, pouvoir décoder, décrypter, comprendre le comportement des rames et répondre à plusieurs questions. La neige s'est-elle introduite dans les systèmes de ventilation des locomotrices et a-t-elle mis fin à leur mode de fonctionnement au beau milieu du tunnel? Dans un second temps, les écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur du tunnel ont-ils eu un impact sur le fonctionnement de ces locomotrices? Enfin, le matériel roulant est-il toujours adapté aux conditions climatiques extrêmes qui ont émaillé les incidents de ce week-end? Eh bien, tout est décrypté, tout est analysé en ce moment même. Du côté d'Alstom, le concepteur, le créateur du train, on dit ne pas avoir d'informations suffisantes. Il est vrai que Alstom ne maintient plus, n'assure plus la maintenance de ses rames depuis maintenant 15 ans. Alors voilà, beaucoup d'équations, beaucoup d'inconnus dans cette équation, peu de réponses, ce qui fait qu'Eurostar a décidé d'ajourner la totalité des départs. Et rien ne dit que demain, le trafic puisse reprendre. Merci Cyril. Alors on a compris que le froid serait l'explication de cet incident technique, le froid et la neige qui ont eu des conséquences sur les routes, dans les airs, avec un trafic aérien perturbé à Roissy, Orly, mais également en région. Une trentaine de départements restent ce soir en vigilance orange, même si Météo France prévoit un radoucissement des températures. Et ce n'est pas plus mal, il a fait imaginer près de 20 degrés dans l'Est la nuit dernière. Claude Sampert, Arnaud Comte et Mathias Segond. Des avions à peine visibles sous la neige. À Roissy ce matin, 40% des vols ont été annulés. Pour les autres, dégivrage obligatoire. Pendant 15 à 20 minutes, on asperge les appareils avec de l'eau chaude pour faire fondre la glace sur la carlingue et sur les ailes. À l'intérieur des terminaux, les passagers ont les yeux rivés sur le panneau des départs. Les vols maintenus ont connu en moyenne une heure de retard. Ce soir, la situation s'améliore. Plus de 50 départements aujourd'hui en France ont connu des chutes de neige. En quelques heures, l'île a été recouverte d'une couche de plusieurs centimètres. Je trouve que c'est sympa, parce que bon, depuis 85, on n'a quand même pas eu de neige comme ça, quoi. Et puis bon, bah, pour les fêtes de Noël, c'est sympa de voir un peu de neige quand même. Circulation difficile sur l'autoroute A1 et quasi impossible sur les routes de campagne. Et quand on mesure l'épaisseur de neige, le résultat est étonnant. Ouais, 11 cm. 11 cm. À Paris, la neige est tombée en abondance ce matin, mais elle n'a pas tenu. Dans la Somme, en revanche, de nombreux villages sont à l'heure actuelle encore isolés. Je ne peux même pas aller dans le cours, la neige, elle me saoule. Ah oui. Et je tourne, et puis d'abord je tremble tout le temps. Mais pas d'inquiétude particulière. Ici, on veille les uns sur les autres. Les personnes âgées sont aidées par les plus jeunes. Dans des petits villages comme ça, tout le monde s'entraide. Jusque maintenant, le boulanger y passe, il n'y a pas de problème. Et on a connu par le passé 5-6 jours sans pain. Bon, ben, y a quelqu'un qui partait avec un tracteur en chercher. Aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Entre Bayonne et Toulouse, pas de neige, mais du verglas. Ce matin, l'autoroute A64 a été bloquée suite à un carambolage. 7 blessés légers. En France, la fin de l'épisode neigeux est prévue demain. Et l'hiver est là en France. Comme ailleurs, deux destinations enneigées. Regardez, on commence par l'Italie, où le week-end a été également le plus froid de l'année. La belle ville de Florence est sous la neige. L'Italie qui a également subi de nombreuses perturbations sur les routes et dans les trains. Plus impressionnant encore, direction les États-Unis, où là-bas c'est le blizzard qui a apporté avec lui 50 cm de neige et quelques skieurs de fond, et cela en seulement 24 heures. Donc dans les rues de Washington, de la neige également à New York aujourd'hui. On revient en France avec le froid qui a coûté la vie la nuit dernière à une femme de 47 ans. Celle-ci vivait dans un mobilhome près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Elle serait décédée des suites d'une hypothermie. Parlons maintenant de ces 2 millions de Français qui ont un logement mais qui souffrent de précarité énergétique. L'état de leurs finances ne leur permet pas de faire du chauffage une priorité. Dans le Gers, le département tente, vous allez le voir,
en ce moment de les aider. On voit comment avec Hélène Vergne et Olivier Combes. C'est ici que la petite famille se retrouve, une pièce à vivre où il fait à peu près bon 16 degrés, alors qu'au petit matin dans la chambre, la température descend à 13 degrés. 700 euros par mois, se chauffer devient alors un luxe loin derrière d'autres priorités. Le loyer, manger. Et quand on peut, les autres factures. Dans le chauffage. Dans le chauffage. L'électricité, le gaz. C'est pas facile quand on a un tout petit salaire. Suite à des factures impayées, à l'intervention d'une assistante sociale, un diagnostic thermique a été réalisé pour améliorer l'isolation. Voilà, ça c'est les travaux en cours. Donc voilà la fenêtre de toit qui vient d'être changée, ce qui permettra à la famille de se réapproprier cet espace-là. Voilà, les enfants pourront récupérer leur chambre et la maman la sienne. En France, 2 millions de personnes seraient en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire ceux qui vivent sous un toit mais dans le froid. Depuis 5 ans, le département du Gers s'efforce d'agir en amont. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on peut peut-être réduire finalement l'argent qu'on va donner pour financer les impayés si on améliore l'efficacité énergétique des logements de ces personnes. Chaque année, une quarantaine de dossiers est pris en charge par le département. Ce fut le cas de monsieur et madame Mouret. La température, elle est formidable, il fait toujours entre 20 et 23 degrés. Et fois, ça peut monter. Avec quelques conseils, des matériaux récupérés et surtout un nouveau poêle, leur vie a changé. Quand on est bien dans son logement, on a moins de problèmes de santé, on a un moral qui est meilleur, donc on a plus envie de faire certaines démarches pour retrouver du travail. Aujourd'hui, face à l'augmentation des demandes, une quinzaine de départements luttent durablement contre la précarité énergétique. À l'étranger, une nouvelle étape dans la controverse qui entoure depuis maintenant des années le pape Pie XII. C'est Benoît XVI qui l'a à nouveau alimenté hier en annonçant qu'il avait pris la décision surprise d'élever au rang de vénérable celui qui dirigeait l'église durant la Seconde Guerre mondiale. Devenir vénérable, c'est la dernière étape avant la béatification et l'idée ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi? Eh bien, on voit tout cela avec Philippe Viserias et Diona Messina à Rome. Pie XII, le pape le plus controversé du XXe siècle, pourrait devenir un jour Saint Pie XII. Celui qui a dirigé l'église catholique à partir de 1939 est pourtant accusé par de nombreuses associations juives d'être resté silencieux pendant la Deuxième Guerre mondiale face à la Shoah. Dans le doute, depuis des années, le dossier de sa béatification dormait dans un placard du Vatican. Hier, à la surprise générale, Benoît XVI a relancé ce procès en béatification en signant un décret reconnaissant ses vertus héroïques. Il a quand même demandé une enquête au niveau de la secrétaire d'État pour vérifier jusqu'à quel point les accusations de silence pouvaient être acceptées. Benoît XVI n'a jamais caché son admiration pour Pie XII. On le voit ici prier sur sa tombe. Pour lui, Pie XII aurait même sauvé des juifs pendant la guerre. Dans moins d'un mois, le pape doit visiter la grande synagogue de Rome et rencontrer la communauté juive, une communauté qui attendra des explications. Désormais, plus rien ne s'oppose à la béatification de Pie XII qui pourrait avoir lieu ici même au Vatican dès l'an prochain. À l'étranger, toujours en Iran, plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu aujourd'hui dans la capitale Téhéran afin de rendre hommage à l'ayatollah Montazeri qui est décédé cette nuit. Ce haut dignitaire religieux avait fait le choix de l'opposition au régime des Mollahs. Il incarnait le mouvement réformateur et ses obsèques à Qom, la ville sainte chiite, pourraient une nouvelle fois fragiliser le régime. Karine Komadzi. C'était l'un des pères fondateurs de la République islamique en 1979. Le disciple de l'imam Khomeini est son dauphin désigné. Mais l'ayatollah Montazeri était aussi un défenseur des libertés et ses critiques du pouvoir lui ont coûté sa carrière politique. En août dernier, le vieux juriste qualifie le pouvoir en place de dictature et il dénonce l'arrestation des manifestants. Il devient alors un père spirituel pour les opposants qui, dès l'annonce de sa mort hier, sont descendus dans la rue. Ici, dans sa ville natale de Najafabad, à Qom, la ville où il résidait, et jusque dans les universités de Téhéran. Une popularité gênante pour le régime, si l'on en croit la presse officielle, qui évoque sa mauvaise influence sur les émeutiers. Ils auraient pu au moins rendre hommage au soutien qu'il a apporté à l'imam Khomeini. Ses funérailles seront célébrées demain dans la ville sainte de Qom.
où des milliers de manifestants seraient en train d'affluer. La police anti-émeute y a été déployée. Et ce soir, l'opposition appelle à une journée de deuil. En bref, et en image maintenant, une visite historique, celle du Premier ministre libanais Saad Hariri, qui était en Syrie aujourd'hui. Il a rencontré le président Bachar el-Assad. Il s'agit d'une première depuis l'assassinat de son père, Rafik Hariri. Depuis 4 ans, les deux pays n'avaient pas eu de contact officiel. Saad Hariri accusant Damas d'être impliqué dans l'assassinat de l'ancien leader libanais. Le grand format ce soir, il y a 20 ans, le monde entier allait découvrir en direct la chute d'une dictature communiste, celle qui était incarnée en Roumanie par le couple Ceausescu, un couple qui allait prendre la fuite sous la pression du peuple, et cela avant d'être rattrapé, jugé et exécuté de manière expéditive. Retour sur ces jours de décembre 89 qui ont fait basculer la Roumanie avec Frédéric Crota. Le corps criblé de balles, Nicolae Ceausescu termine sa carrière de dictateur en moins de 10 jours. Le conducteur dirige la Roumanie d'une main de fer depuis 1965. La première ville qui se révolte, c'est Timișoara. Une répression violente fait des dizaines de morts. 5 jours plus tard, le président roumain organise un rassemblement de masse. Mais contre toute attente, alors qu'il pense être plébiscité, il est sifflé par la foule, insulté même. Un vent de liberté souffle dans les rues de Bucarest. Très vite, de violents combats mettent aux prises les insurgés et la Securitate, la milice de Ceausescu. Le vent tourne un peu partout dans le pays. L'armée fraternise avec la population. Le siège de la télévision est envahi, les studios pris d'assaut. Les opposants lancent des appels au pays entier. Ne dites plus la Roumanie socialiste, dites la Roumanie. Voilà, nous retrouvons donc. Pour la première fois, une révolution se déroule en direct devant les caméras, avec un énorme dérapage. L'affaire du charnier de Timișoara. Des révolutionnaires ont fait passer pour des martyrs torturés par la police, des personnes décédées de mort naturelle, une pure manipulation. L'entourage du dictateur lui conseille de fuir le palais, ce qu'il tente de faire à bord de son hélicoptère. Il est arrêté peu après avec sa femme Elena, tous les deux jugés devant un tribunal militaire. Quelle injustice! Quelle injustice! Tout ce monde s'est élevé à nos côtés. Nous les avons eus avec nous. Le procès est expédié en 55 minutes. Le couple condamné à mort. C'est encore devant une caméra que les Ceausescu seront exécutés. Image brutale qui marque la fin pathétique d'un régime de dictature. Il est 20h16. À suivre ce soir la dernière ligne droite pour les courses de Noël à Paris. Certains petits commerçants ont souffert de la grève de la ligne A du RER qui entamera demain son 12e jour. Un dimanche de sport, les handballeuses ne seront pas championnes du monde, mais elles gardent, vous le verrez, le sourire. Le ski français qui va plutôt bien et les derniers résultats de football du jour. Et c'est Lille qui brille encore. Enfin, dans le milieu du cinéma, c'est un mythe vivant. Rencontre ce soir avec Francis Ford Coppola. Le réalisateur américain était de passage à Paris pour la sortie de son film Tétro. Mais avant cela, je vous le disais, la grève en Ile-de-France sur la ligne A du RER va entamer demain son 12e jour. Un mouvement qui, en pleine période de Noël, a touché certains petits commerçants et notamment ceux qui louent temporairement un emplacement durant les fêtes dans les couloirs du RER. En revanche, pas d'inquiétude pour les grandes enseignes. Il y avait aujourd'hui encore beaucoup et beaucoup de monde. Marie-Pierre Samitier et Vivien Roussel. Sur les trottoirs des grands magasins, la foule se presse comme tous les ans pour les derniers achats de Noël. Mais cette année, personne n'arrive par le RER. Avec la grève, dans les couloirs en sous-sol, c'est le désert. Et les rares commerçants qui y sont ouverts sont au bord de la crise de nerfs. C'est honteux, honteux, honteux de voir ça. Veille des fêtes, les espoirs des gens. Vous ne vendez rien? Ah bah, à qui? Je se le demande. Elle a gagné 16 euros aujourd'hui, au lieu de 1500 euros par jour, lors des périodes d'affluence. D'ailleurs, tous les autres ont baissé leur rideau de fer. En surface, la féerie de Noël fait briller les yeux et les appareils photo. Là-haut, on dépense sans compter.
Malgré la grève, le chiffre d'affaires de ce grand magasin sera identique, nous dit-on, à celui de l'an dernier. Les consommateurs ont décidé aujourd'hui de se faire plaisir. Oui, les gens vont dépenser beaucoup ce dimanche. Oui, oui, c'est vraiment un dimanche très fort. C'est le dimanche le plus important de l'année. Sur Internet, les ventes ont fait un bond de 25% par rapport à 2008. Avec la grève, certains y ont déjà fait leurs achats par précaution. Je trouve ça plus confortable et je ne suis pas addict à la consommation dans les magasins et d'être avec tout le monde. Et pour beaucoup, la liste du Père Noël est fin prête. Une PSP, un jeu de voiture et l'autre je ne sais pas encore. Des livres et un Playmobil de chameau. Un hélicoptère téléguidé parce que c'est génial et que je peux m'amuser chez moi avec. Vous avez quel âge ? J'ai 22 ans et demi. Les Français se montrent raisonnables. Ils comptent même diminuer globalement leurs dépenses de 3,5% pour Noël avec la crise. Et justement, autre question du moment. Dans les cours d'école, les enfants se passent le mot et au final réclament bien souvent au Père Noël le même jouet. On appelle cela une tendance lourde et cela conduit parfois à une rupture de stock pour certains produits qui sont devenus en quelques semaines les jouets stars de Noël. Alors pour tenter d'y remédier, les magasins ont-ils des solutions? Eh bien, élément de réponse avec Julien Beaumont et Antoine Morel. C'est la hantise du Père Noël, un jouet en rupture de stock. Et en ce moment, dans les magasins, ils sont nombreux. Des rayons par endroits vides et des stars du sapin très recherchées. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part. Vous avez fait beaucoup de magasins ? J'ai des amis qui en ont fait pas mal et moi j'en suis au troisième. Il y en avait hier 5 ou 6 et ce soir il n'y a plus rien. Donc il faut se dépêcher. Trouver l'introuvable, voilà le rôle de cette équipe. Vous avez retrouvé d'autres Chechovello ou pas ? Leur mission, approvisionner les 165 magasins de leur enseigne. Pas encore reçu. Oh, ok, bah je vais relancer le fournisseur. Toute la journée, ils appellent les fournisseurs. Tu peux nous trouver 400 en camping-car. Ça peut être livré quand? Mais plus Noël approche, plus la liste des produits en rupture s'allonge. Mais comment ça s'explique qu'il y ait des ruptures de stock dans les jouets? Parce que les fournisseurs prennent moins de risques et en fait ne livrent pas soit toutes nos quantités, ou alors, de toute manière, ils n'en font pas venir à les quantités qui sont commandées. Quoi. Pour mieux comprendre, direction l'entrepôt des jouets. 7 sur 10 sont made in China. Et voilà le problème. Si un produit dépasse les prévisions de vente, il faut relancer la fabrication en Asie. Mais vu les délais de livraison, jamais le jouet n'arrivera à temps pour Noël. Pour Franck Maté, il ne reste qu'une solution, trouver des stocks ailleurs. Ce spécialiste du jouet s'est déplacé car il attend avec impatience ce camion. À l'intérieur, deux palettes de poupées introuvables dans toute la France. On a fait une recherche dans l'ensemble de l'Europe et il en restait en Angleterre et on les a fait venir spécialement en France pour pouvoir les proposer à nos clients juste avant Noël. Voici celle qui se classe dans le top 3 de ce Noël, la Barbie 3 mousquetaires, 1500 boîtes. Aussitôt vérifiée, aussitôt livrée dans les différents magasins. Ici, 48 exemplaires viennent d'arriver, un rayon qui devrait être dévalisé demain matin, quelques minutes après l'ouverture. Un dimanche de sport avec les handballeuses françaises qui gardent le sourire malgré la défaite. Elles ne seront pas championnes du monde. Image et résultat également de ski. Les Français sont plutôt en forme. Et puis du football, Bordeaux champion d'automne et le LOSC qu'il va falloir suivre de très près en 2010. Grégory Naboulé. L'argent suffit à faire leur bonheur. Chérie Doudou, elle est pour toi. Certes, les handballeuses françaises ont échoué en finale du mondial. Mais elles n'ont pas à rougir de leur parcours, battues 25 à 22 par les Russes, désormais triple championne du monde. La Russie a été plus forte. Je pense que personne n'aurait cru en nous en disant qu'on serait second à ce mondial-là. Donc on va profiter un maximum de cette médaille-là. Un grand cri pour se donner du courage et Cyprien Richard se lance dans la pente. Le Français a joué les équilibristes pour accrocher la troisième place du géant d'Altabadia en Italie. Un podium de Coupe du Monde, le deuxième de sa carrière, en attendant les Jeux Olympiques où les skieurs français ont aussi envie de faire du bruit. Chez les femmes, pas de podium, mais une belle frayeur pour Marie Marchand-Harbier. Une chute à plus de 80 km/h. Ce soir, les nouvelles sont rassurantes. La skieuse âgée de 24 ans souffre d'un léger traumatisme crânien. En Ligue 1 aussi, il y a de la neige, mais sur le bord du terrain. Cet après-midi dans le Nord, Lille a refroidi Le Mans, 3-0. Et même sur un terrain gelé, le Brésilien Gervinho a su se montrer très adroit. Les nordistes sont désormais troisièmes du championnat, grâce à ce résultat qui ne doit rien au hasard.
De leur côté, les Toulousains ramènent un match nul de leur déplacement à Auxerre. Luan marque le premier pour Toulouse. Égalisation à un partout des Bourguignons dans les arrêts de jeu, grâce à Contour. La page cinéma avec nous ce soir, un enthousiaste, c'est lui qui m'a demandé de l'appeler comme ça, le réalisateur, producteur, scénariste Francis Ford Coppola. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, on va bien sûr parler de votre dernier film, Tétro, qui sort le 23 décembre. Et puis on va revenir également sur votre carrière, Apocalypse Now, Le Parrain, La Guerre des Étoiles, Rusty James. D'abord, première question, quand, comme vous, on a reçu au cours de sa carrière des Oscars, la Palme d'Or, est-ce que ces prix-là, c'est forcément une énergie en plus ou un poids parfois? C'est délicieux, des moments délicieux qui rendent votre père et votre mère heureux. Qui, un jour, vous a donné envie finalement de faire ce métier? L'image ou les hommes, ou raconter des histoires d'hommes? Vous savez, comme la plupart des jeunes, il y a des choses qui vous impressionnent, des choses belles, des belles choses qui vous donnent envie, qui donnent le désir de faire du cinéma. Et bien des films m'ont impressionné. J'étais étudiant en théâtre et j'ai vu un film d'Eisenstein, Octobre. C'est un film qui a absolument changé le monde. Et donc je me suis dit, oui, là, je veux faire du cinéma. Vous venez de parler de désir. Le désir, il est toujours là? Oh oui, complètement. Alors on va regarder des images de Tétro tout de suite, un retour au cinéma d'auteur, disent les spécialistes, film esthétique encore et toujours, on y parle de la famille, chaque famille a un passé et un secret. Sujet signé Pascal Deschamps, à tout de suite. Un jeune homme débarque un jour à Buenos Aires pour retrouver son frère aîné qui a brutalement rompu avec sa famille 10 ans plus tôt. Tétro, are you awake? Your brother is here. Des images en noir et blanc, une histoire originale écrite par Coppola lui-même pour la première fois depuis 35 ans. Tétro a tout pour vous surprendre. À l'image de son héros exilé, Coppola a choisi l'Argentine pour tourner cette terrible histoire de famille, produite sans l'aide des studios d'Hollywood. Comme un artisan, comme un étudiant. Tétro, dit-il, est le film que je rêvais de faire à 19 ans. Le succès du Parrain a tout changé et a fait de moi un réalisateur hollywoodien. En tout cas, quelques chefs-d'œuvre, 6 Oscars et 2 Palmes d'Or plus tard, Coppola est bien un géant du cinéma. Vous savez, moi je coule sous les propositions, c'est vrai, du monde entier. Mais ce film, je le lui devais. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait aimer le cinéma. There's only room for one genius in this family. Don't you love them? You know what love is in a family like ours, Benny? Tétro renoue avec les thèmes chers à Coppola, la famille et ses rivalités. It's a quick stab in the heart. Mais une histoire qui puise aussi son inspiration dans son propre passé et la relation qu'il eut jadis avec son frère aîné. So why'd you come, Benny? You know, everything that I love or that I'm interested in, I picked up from you. Sur chaque scène, on sentait son émotion. Et mon seul souci, c'était qu'il soit heureux. On voulait exprimer, faire vivre tous les sentiments, les émotions qu'il avait en lui quand il a écrit cette histoire. Tétro est un film éblouissant sur le fond comme sur la forme. Projeté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, il a provoqué l'enthousiasme ému du public, conscient d'avoir retrouvé le Coppola qu'il aime et qu'il admire. Alors Francis Ford Coppola, je disais, on retrouve ici dans Tétro l'un des thèmes phares de votre histoire, c'est la famille. Alors ici, pas de mafia, c'est un film parfois douloureux, parfois dur. Il y a toujours ce thème récurrent de la famille, c'est un thème important. Vous savez, on apprend à aimer quand on grandit. C'est là qu'on apprend. On sait que notre famille nous aime et c'est là qu'on apprend l'amour et parfois à détester la famille. La famille nous fait, nous fabrique. Et alors, ce qu'il y a assez fou au fil du temps, c'est que finalement, aujourd'hui, vous faites le cinéma que vous ne pouviez pas faire à vos débuts, puisqu'avant, il fallait faire des films commerciaux, c'est cela. Le Parrain, c'est vrai qu'on vous a poussé à le faire.
Au début, je dois dire que quand on m'a montré le projet, je ne voulais pas le faire. C'était un gros bouquin avec des moments assez idiots et j'ai eu le droit de les enlever, heureusement. Moi, je voulais faire des films personnels. Je voulais être inspiré par les Européens, les films européens qui venaient en Amérique à l'époque. En même temps, ce film, si vous n'aviez pas eu, on va dire, votre carrière, votre histoire et l'aspect financier des choses personnelles, vous n'auriez pas pu le monter parce qu'Hollywood, aujourd'hui, ne finance plus ce genre de film. C'était difficile quand j'avais 20 ans de faire ce genre de film. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut être son propre financier, il faut se financer soi-même. Impossible, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on s'appelle Francis Ford Coppola et qu'on veut produire ce genre de film, c'est impossible. Pour n'importe qui, peu importe que vous soyez connu ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, à Hollywood, il y a encore des hommes et des femmes qui produisent des idées ? Il y a plein de talents là-bas. Beaucoup aimeraient faire des films plus intéressants. Malheureusement, ce sont des businessmen à New York qui organisent tout ça et qui envoient l'argent et ils veulent acheter une nouvelle compagnie finalement pour grandir encore plus. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre trois de vos acteurs forts, Al Pacino, Robert De Niro ou Marlon Brando ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour que la magie se fasse un peu plus avec eux qu'avec d'autres ? C'est inexplicable. Ils ont une grande intelligence. Brando, vraiment, c'était vraiment un génie. Je ne parle même pas de lui acteur, mais en tant que personne, sa pensée. Les autres ont un énorme talent, en plus de leur intelligence, mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'indescriptible. Comme si vous allez dans une soirée, vous voyez 20 personnes, mais le lendemain, vous vous rappelez d'une personne. Et chacun de ces acteurs ont cette qualité. Finalement, selon vous, vous êtes un visionnaire, un rêveur, ou aussi un peu un illuminé ? Ou les trois à la fois. Je me considère comme un type qui a beaucoup d'imagination, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. C'est ça qui me définit. Bah écoutez, merci d'en avoir et depuis aussi longtemps. Merci beaucoup. À bientôt, Francis Ford Coppola. Tétro sort donc le 23 décembre, mercredi, en France. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien réalisé à l'occasion du passage de Francis Ford Coppola à Paris. Et on regarde tout de suite le box-office des sorties cinéma de cette semaine. En tête, il fallait s'y attendre, c'est Avatar, le film événement en 3D du réalisateur de Titanic, James Cameron, avec plus de 320 000 spectateurs dès le premier jour de sa sortie. Ensuite, Le Dernier Vol, le film de Karim Dridi avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, qui enregistrait un peu plus de 20 000 entrées. Comme chaque dimanche, un coup d'œil sur l'agenda de la semaine à venir. Demain lundi, la justice examinera en référé une demande d'expertise médicale de Johnny Hallyday visant à déterminer d'éventuelles responsabilités médicales. Jeudi soir, c'est le réveillon de Noël pour les chrétiens avec la traditionnelle messe du pape Benoît XVI. Enfin, vendredi et tout le week-end prochain, sachez que vous ne pourrez pas vous faire vacciner contre la grippe. Les centres marqueront une toute petite pause. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche. C'est la polémique qui gronde autour de l'interruption du trafic des Eurostars entre la France et l'Angleterre. 24 000 passagers qui n'ont pu se déplacer et 2 000 qui sont restés bloqués 18 heures, notamment sous le tunnel. Des passagers qui réclament désormais des explications. Plusieurs députés européens demandent ce soir une commission d'enquête sur les circonstances de ces incidents. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. 20h35, film d'animation Happy Feet. Demain, l'information, c'est dès 6h30 dans Télématin avec Nabila Tabouri. 13h, Nathalie de Rinxin. Et à 20h, c'est Marie Drucker. Passez une très bonne soirée et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous l'année prochaine. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr.